Dum, ta-da-dum, dum. Un fait étonnant pour un mois de décembre, Alcatel, l'entreprise de jouets pour canins qui avait délocalisé ses locaux en janvier dernier, a été contrainte de fermer ses portes en raison d'une grève imposée par les enfants de ses salariés. En effet, ceux-ci ne comprenaient pas la racine carrée plutôt rectangle du mode d'emploi de la maison de Blanche-Neige. Neige blanche, Blanche-Neige, neige, blanc comme neige, neige. Il ne neige toujours pas. Une pensée peinée, peinée régatée pour tous ces lutins partis cette nuit. Ils ont été directement reconduits à la frontière, renvoyés chez eux, dans des traîneaux, certains à même la neige. Ils ont été renvoyés, vous comprenez, renvoyés, renvoyés comme on renvoie quelqu'un une bonne, un concierge, enfin quelqu'un qu'on renvoie, quoi, un colis. Ils avaient été suspects, pris en flagrant délit d'alcoolémie, sur bouteille mineure, et oui, c'est Noël. Noël, on se saoule la gueule, et les lutins, c'est pareil. Mesdames et messieurs, le syndicat des lutins nous entend ce soir, nous leur souhaitons joyeux Noël. Chers Français, chères Françaises, je vous souhaite, du plus profond de ma France, du plus profond de notre cœur, de mon cœur en tout cas du mien, de cœur de Français, de mon cœur français, de mien, je vous souhaite, nous vous souhaitons, nous, toute la France, nous représentants de la France et du monde, et du monde, de la France du monde, je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est Noël, les enfants se rebellent, oh oh oh, ils ont des cadeaux, oh oh oh, c'est Noël! Chut, Papa Noël va passer, par la cheminée, si vous avez une cheminée. Si vous n'avez pas de cheminée, eh ben il passera pas. Il passera pas. Je vois pas comment il va passer, il est énorme. Sous la porte. Mais qu'il essaye. Petit Papa Noël. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches, répond le sourd. Pourquoi le sourd? Mais je sais pas, il y avait lui dans la salle. Jésus a dit un jour, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Alors je vous dis ce soir, aimez-vous. Et je ne suis pas Jésus. Jésus, j'ai toujours su que j'étais pas Jésus. Je veux dire Jésus au moment de... Oh, j'avais quoi? Enfin, parlons pas de moi. Ouh, il s'est fait mal, le Père Noël, il est tombé dans la cheminée. Ouh, mais c'est difficile de passer par les cheminées maintenant, puisqu'elles sont bouchées, les cheminées. On n'a plus le droit de les utiliser. Bah oui, bah comment on fait? Comment il fait Papa Noël si on n'a plus le droit d'utiliser les cheminées? Bon, on ramène, mais plus on ramène pas les cadeaux, hein. Je souhaite m'adresser à vous ce soir. Noël est un moment qui doit compter. Qui doit compter, pas seulement dans le budget des Français, ni dans le vôtre, ni dans le mien, ni dans le nôtre, ni dans le sien, ni dans le tien, ni dans le lui, bien. Bien, il est belle, bien. Et je pense ce soir, j'ai une pensée ce soir à tous ceux qui ne fêtent pas Noël. Car ne pas fêter Noël, c'est comme ne pas fêter une fête. Hey, c'est Golem. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, ben je me suis dit que c'était important de venir pour les fêtes, pour voilà, pour faire profiter un peu aux gens de toute la générosité que j'ai à offrir. Merci Ségolène, merci. Et justement, je vous ai rapporté un cadeau parce que c'est Noël et que vous m'êtes une personne très sympathique. Allez, on va aller, c'est un cadeau, voilà, c'est fait. Je ne suis pas un songe, Ségolène Blousy. Oh, c'est mon livre, mais après tout... Je l'ai déjà, Ségolène, vous m'aviez offert, vous vous souvenez? Oh, vous êtes sûre? Oh, oui. Je préfère que... Merci, oui. Ségolène. Ségolène, Noël est passé. Non, enfin, oui, c'est passé, mais alors... Oui, donc les cadeaux sont faits. Oui, mais on aurait dû me faire passer avant. Comment voulez-vous que je vende mon livre après? Mais je suis désolée, on vous a fait passer plusieurs fois les interviews, on peut pas faire plus. C'est tout ce que je peux vous dire. Noël est passé, Ségolène. Je ne comprends pas, vraiment. Vous êtes une personne désagréable. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.